Parce qu'on n'est pas d'accord. D'abord, l'homme de la paix, l'homme de la paix, le Houthi, l'homme de la paix. Mais nous allons utiliser les vrais moyens, nous allons utiliser la vraie méthode pour faire partie à la chaîne Dramane Ouattara. Chers citoyens, arrêtez d'avoir peur. Je vous prie et je vous redis, chers militants du FPI, chers militants de CPS, chers militants de PDCI, à partir d'aujourd'hui, l'information que nous venons vous donner, et j'ajouterai, chers militants de COGEP, l'information que nous venons vous donner, c'est qu'aujourd'hui, à partir de maintenant, RDR dégage. Ne cède pas à la provocation. Nous allons utiliser la méthode intelligente pour qu'aucun sang ne soit versé. Parce que ce matin, si nous n'avions pas été intelligents, les gens étaient prêts à verser du sang. Alors, écoutez ce que nous sommes en train de vous dire. Écoutez ce que nous sommes en train de vous dire. Parce que si nous utilisons des méthodes qui vont amener nos militants à mourir, nous n'aurons pas gagné les élections parce qu'on n'aura pas d'électeurs. Vous êtes d'accord avec moi? Ici à SOP, nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts à laisser une seule personne mourir. Nous ne serons pas d'accord qu'une seule personne mourir. Parce qu'ils revendiquent la légalité, parce qu'ils revendiquent la vérité, parce qu'ils revendiquent la loi. La constitution de notre pays n'a pas manqué de dire qu'un président ne peut être élu deux fois. Je suis venu vous dire que jusqu'à ce que la salle parte, tout ce que nous allons faire à SOP, nous serons encadrés par la police. Des partis politiques qui regorgent beaucoup d'intelligence. Nous ne sommes pas des bêtes à guerre. Nous prouvons aujourd'hui à la nation, à toute la Côte d'Ivoire et même à l'international que nous ne sommes pas des bêtes à guerre. Nous ne sommes pas contents. Donc nous sommes en train de dire on n'est pas contents. Ne nous laissons pas distraire. Je le dis parce que voilà le ministre qui a dit, écoutez bien, à 20h, dans le journal de 20h, si vous avez suivi, il y a un communiqué qui a dit « on ne marche pas ». Vous avez suivi? Oui. Que nous comptons pas déterminer que nous avons voulu marcher, qu'on veut marcher pour exprimer notre mécontentement. Mais, je vous dis, calmons-nous, car si nous ne nous calmons pas, nous n'allons pas atteindre notre objectif. Aujourd'hui, ce monde qui est là, je vais terminer par vous dire, afin que quelqu'un d'autre me montre, ce monde qui est là, aujourd'hui, doit rester déterminé. Nous allons continuer à nous réunir, nous allons continuer à nous préparer, nous allons continuer pour aller à des élections et gagner le RHDP à travers des élections transparentes. Nous n'allons pas faire de vandalisme. Nous voulons que
élections soient claires, que tous ceux qui veulent être candidats soient candidats, que tous ceux qui sont pas d'Ivoire, qui sont ivoiriens, on les laisse voter. Les Français vont venir aux élections. Et quand on ira aux élections, le RHDP va tout gâcher.